Nous allons commencer le service. We will start the service. Can you sing? I will sing from all my Redeemer. Ok, nous allons chanter le numéro 235. We will sing hymn number 235. I will sing of my Redeemer and His wondrous love to me. On the cruel cross He suffered, for the curse to set me free. Sing of sin of my Redeemer, with His blood He purchased me. On the cross He sealed my pardon, bathed in death and made me free. I will tell the wondrous story, how my Lord is dead to sin. In His boundless love and mercy, He the ransom freed He gave. Sing of sin, sing of King of my Redeemer. Je chanterai à mon Rédempteur. I will sing of my Redeemer. Il m'a racheté avec son sang.
who redeemed me with his blood. Sur la croix de Golgotha, il a payé le prix. And on the cross of Golgotha, he paid the price. Et m'a rendu libre. And he set me free. Nous allons chanter aussi, nous avons un rédempteur. There is a redeemer. Il y a un rédempteur. There is a redeemer. Nous avons un parent rédempteur. We have a kinsman redeemer. Comme Naomi pouvait le dire ainsi à Ruth. As Naomi could say to Ruth. Cet homme qui est là-bas, c'est notre parent rédempteur. This man who is there is our kinsman redeemer. Il a les droits de rachat sur nous. He has the right of redemption over us. There is a redeemer. Okay. There is a ton fils. So it says, thank you God for having given us your son. Et que tu as laissé l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit sur la terre. And that you left the Holy Spirit on the earth. Jusqu'à ce que ton œuvre soit achevée. Until your work is accomplished. Ça c'est vrai, jusqu'à ce que tout soit terminé. This is true, just until all is finished. Alors nous allons chanter His love, His love. He is risen from the dead. And he is, et puis nous allons prier. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Amen. He is risen.
Nous nous réjouissons, Père, de pouvoir savoir que tu es Seigneur. We are rejoicing, Father, to know that you are Lord. Comme l'apôtre pouvait les crier ce jour-là devant les Juifs. As the apostles could cry on that day before the Jews. Que toute la maison d'Israël sache. That all the house of Israel know. Que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. That God has made Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. Nous sommes heureux de savoir qu'il est notre Seigneur. We are happy to know that he is our Lord. Nous sommes contents de savoir qu'il est notre parent rédempteur. We are happy to know that he is our kinsman redeemer. Et que nous ne sommes point un peuple sans espérance. And that we are not a people without hope. Nous savons que quelqu'un a payé le prix pour nous. We know that somebody has paid the price for us. C'est pourquoi nous avons chanté, je chante à mon rédempteur. That is why we sang earlier, I will sing of my redeemer. Je chante à celui qui a payé son prix pour me racheter avec son sang. I'm singing to the one who paid the price to redeem me with his blood. Et c'est pourquoi, Dieu de grâce, nous te disons encore merci ce soir. And that is why, God of grace, we are saying thank you to you again this evening. De nous avoir rassemblés ici, Père, pour nous donner le pain de vie. For having assembled us here, Father, to give us the bread of life. Car après les rachats, mes bien-aimés, nous devons travailler. But after the redemption, Father, we must work. Nous devons travailler dans les champs de Dieu. We must work in the fields of God. Nous devons manger la nourriture spirituelle. We must eat the spiritual food. Jusqu'à ce que nous passions de la foi. Until we go from faith. À la vue. To seeing. Et que nous puissions ainsi de grâce être avec le Seigneur tout le temps. And that we may, God of grace, be with the Lord all the time. Dieu de grâce, donne-nous des sentiments propres. God of grace, give us the correct feelings. Des cœurs bien disposés. And hearts that are well disposed. À pouvoir t'obéir et te suivre de grâce. To follow you and to serve you. C'est donc ce que tu fais, ce que tu veux faire avec nous. That according to what you desire to do with us. Bénis cette réunion ce soir, Père bien-aimé, oh Dieu. Bless this meeting this evening, Père. Et manifeste encore au milieu de nous. And manifest yourself among us. Comme étant celui qui nous guide. As the one who is leading us. Comme nous l'avons chanté dans ces cantiques où il était dit. As we sang in this hymn where it says. Que tu as laissé ton Saint-Esprit sur la terre. That you left your Holy Spirit on earth. Jusqu'à l'achèvement de ton œuvre sur la terre. Until the accomplishment of your work on the earth. Ainsi puisses-tu venir au milieu de nous ce soir, oh Dieu. So may you come among us this evening, oh God. Et continue son œuvre de grâce. And continue your work. Jusqu'à ce que l'Église soit parvenue à la perfection. Until the church may reach its perfection. Que toute la gloire te revienne, oh Dieu. May all the glory come back to you, oh God. Alors que nous t'avons prié, c'est dans nos Jésus Christ, notre Seigneur. As we have prayed to you in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Bon, que Dieu soit béni. May God be blessed. Nous allons continuer avec les cantiques. Quel ami nous fit, what a friend of heaven Jesus. What a friend we have in Jesus. All the pain and grief to bear. I'll sing it here. What a friend we have in Jesus. All the sins and grief to bear. Thank you.
sera effectivement. This is what it will be. Yeah. Room for Jesus. Room for Jesus. Okay, have you any room for Jesus? He covers your lot of sin. Sing of sinners, salvation, amen. Sing with your lot, amen.
146 and then you're going to go to God for the word of the Lord. It's because, alas, indeed my Savior bleed, and in my sovereign die. Amen. Alas, indeed my Savior bleed, and in my sovereign die. Thank you.
pray. Notre Père et notre Dieu. Our Father and our God. Quel privilège d'être enfant de Dieu. What a privilege to be a child of God. Il y a un chant qui dit quel bonheur de marcher avec lui. There is a hymn which sings, what a wonder to walk with him, a goodness. Yes, quel bonheur. What a goodness, a blessing. Yes, de marcher avec lui. To walk with him. De parler avec lui. To speak with him. Et de vivre avec lui. And to live with him. Seigneur, c'est pourquoi nous te disons encore merci ce soir. That is why, Lord, we say thank you to you this evening. Pour la grâce que tu nous as accordée de pouvoir te connaître, Père. For the grace which you have granted to us to know you, Father. Nous savons que c'est un privilège que tu as accordé à tes enfants. We know that this is a privilege which you grant to your children. Quand tu as rencontré Zachée là-bas sur le chemin de Jéricho. When you met Zacharias on the way to Jericho. Tu lui as dit que descends car toi aussi tu es un enfant d'Abraham. You said, come down from the tree, for you are also a child of Abraham. Seigneur bien-aimé, tu savais qu'il était là. Beloved Lord, you knew that he was there. Et tu es passé par là pour aller chez lui. And you went through that way to go to his house. Car c'était un élu. For he was an elect. Et nous te redisons merci pour ce soir. And we are saying thank you to you for this evening. Car nous nous comptons aussi parmi ces élus-là. For we are also counted among those elect. Pour lesquels tu as détourné ton chemin. For which you turned. Pour passer par notre là où nous étions. To go to where we were. To en to disant where we were. Ceux-ci aussi ce sont des semences d'Abraham. Saying that this one is of the seed of Abraham. Et c'est pourquoi Dieu de grâce nous tenons ici maintenant. And this is why God of grace we stand here now. Comme le disait le cantique tantôt. As the hymn was saying earlier. Que ce ne sont pas les larmes qui pourront payer la dette. But it is not the tears that can wipe or pay the debt. Que je dois à ce sauveur. That I need to give to the Savior. Et voilà ce que je vais te donner. But here is what I'm going je to give m'abandonne to you. Complètement entre tes mains. I abandon myself completely. C'est tout ce que je peux t'offrir. That is all that I can offer. Oh Dieu, puisses-tu agréer cela. Oh Lord, may you be pleased with this. Comme les chantres de l'Église aussi. As the hymn was also singing. Que c'est mon joyeux service. That it is my joyful service. D'offrir à Jésus-Christ. To offer to Jesus Christ. En tant qu'un vivant sacrifice. As a living sacrifice. Mon cœur. My heart. Et tout ce que je suis. And all that I am. Alors Dieu accepte aussi notre offrande ce soir. So Father, also accept our offering this evening. L'offrande des vies consacrées. The offering of a consecrated life. Des vies qui veulent marcher à la lumière de l'Évangile. And lives that want to walk in the light of the gospel. Ainsi, Dieu de grâce bénit ceux qui sont présents. So God of grace bless those who are present. Comme ceux qui sont absents. As those who are absent. Renouvelle nos forces physiques, Seigneur. Renew our physical strength, Lord. Renouvelle nos forces spirituelles. Renew our spiritual strength. Viens tabernacle au-dedans de nous. Come and dwell within us. Et termine ainsi ton œuvre comme nous l'avons aussi chanté. And finish your work as we sang. Jusqu'à ce que ton œuvre soit terminée. Until all of your work is finished. Tu as laissé le Saint-Esprit pour qu'il nous conduise ainsi dans toutes choses. You left the Holy Spirit that he may lead us in all truth. Nous nous recommandons à toi, Seigneur bien-aimé. We submit all things to you. Et nous t'avons prié ainsi. And we have prayed. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. Alors, nous allons nous tourner vers la parole du Très-Haut. We are going to go toward the word of the Most High. Comme nous savons, c'est dans Jean chapitre 16. As we know, we are reading in John chapter 16. À partir du verset 22. From verse 22. Verset 12, pardon, j'ai dit 22, je sais qu'il y avait quelque chose de faux. Verset 12. From verse 12, forgive me. Il y a des choses importantes à savoir. There are important things to know. Et comme nous l'avons entendu au travers de beaucoup de serviteurs de Dieu, and as we heard through many servants of God, au travers de la parole que nous lisons, and through the word that we read, et par la grâce que Dieu donne au travers de la révélation, and by the grace that God grants through revelation, nous vivons dans le temps de la fin. We are living at the end time. Même si tout paraît comme s'il y aura un lendemain. Even if all appears to be as if we will have a tomorrow, et que les choses resteront telles quelles, and that things will remain as they are, c'est ce qu'il nous a dit dans la parole de Dieu.
This is what is said to us in the word of God. Quand les gens diront qu'il y a la paix, la sécurité, toutes ces choses, when the people will say that there is peace and security in all these alors things, alors une ruine soudaine fondra sur eux. Then a sudden ruin will fall upon them. Et la Bible dit que nous ne sommes pas les gens de la nuit. And the Bible tells us that we are not the people of the night. Que les jours du Seigneur nous surprennent comme à l'improviste. So that the day of the Lord surprises us. Mais nous devons être prêts tous les jours. But we must be ready every day. Examinons ce que nous faisons. Examining what we are doing. Examinons ce que nous vivons. And examining what we are doing. Comment nous nous comportons tous les jours. How we behave ourselves every day. Bien sûr, ce n'est pas parce que je fais ceci que je serai sauvé. It's not because I do this that I will be saved. Mais nous croyons par la foi en Christ Jésus. But we believe by faith in Christ Jesus. Que nous arriverons à pouvoir atteindre la position qu'il veut que nous puissions occuper. That we will reach the position that he wants us to have. Mais nous faisons tout pour que nous-mêmes ne puissions pas être continuer à faire des choses qui ne sont pas correctes. But we make every effort so that we do not find ourselves doing things that are not correct. Alors nous allons nous lever de nouveau. So we will stand, didn't we? Et nous lirons alors du verset 12 jusqu'au verset 15. And we will read from verse 12 to verse 15. De Jean chapitre 16. Of John chapter 16. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will shew you things to come. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall shew it unto you. Et tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. All things that the Father hath are mine. Therefore said I, that he shall take of mine and shall shew it unto you. Amen. Amen. Seigneur bien-aimé, beloved Lord, bénis ta parole encore une fois de plus. Bless your word again once more. Et bénis les lèvres que tu utiliseras pour parler à ton peuple. And bless the lips that you will use to speak to your people. Et puisses-tu bénir aussi, ô Dieu, le cœur qui recevront cela. May you also bless the hearts that will receive this, O God. Accorde-nous le privilège de pouvoir porter réellement du fruit pour toi. Grant us the privilege to truly bear fruit for you. Éloigne la distraction du milieu de nous. Take away the distraction from us. La fatigue, Seigneur bien-aimé. The fatigue, or tiredness. Il y en a qui ont travaillé, Père Tout-Puissant, dont les corps sont fatigués. For there are those who worked, Almighty Father, and their bodies mais are tired. Mais nous sommes venus ici pour le peu de temps pour que tu puisses nous parler, Père. But we have come here for the short time so that you may speak to us. Afin Father, que nos âmes puissent encore vivre. So that our souls may live again. Nous t'avons prié et recommandé toutes ces choses. We have prayed and submitted all things, all these things to you. En te demandant ceci. In asking you this. Dans le Jésus-Christ, mon Seigneur. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Asseyez-vous, en prie. Be seated. Nous sommes heureux de savoir que nous avons un guide. We are happy to know that we have a guide. Nous avons quelqu'un qui prend soin de nous. We have somebody who takes care of us. Nous ne sommes pas un peuple laissé à nous-mêmes. We are not a people who have been left by ourselves. Mais le grand berger nous conduit encore dans le bon pâturage. But the great shepherd leads us in the good pasture. Et c'est pour ça que quand nous parlons de ce message, and that is why when we speak of this message, qui est l'esprit de vérité, which is the spirit of truth, comme je vous l'ai dit, quand je l'ai reçu dans mon cœur pour pouvoir l'apporter, as I said, when I received it in my heart to bring this, je me suis posé un peu la question, pourquoi Dieu voulait que j'apporte ce message? I asked the question a bit, but why does God want me to bring this message? Je n'ai pas nécessairement besoin de lui poser ces questions. I do not need to ask him this question. Car lui, quand il inspire, il sait pourquoi il inspire. But when he inspires you, he knows why he's inspired. Car des fois, il nous a donné des messages ici, je ne savais pas ce qu'il allait. J'avais des fois les titres. Because often he has, or sometimes he gave messages to preach, and I only knew the title. Et c'est quand le message était développé que je me rendais compte que j'avais des choses que je devais connaître.
And it's when I started to bring the message that I realized that there are things that I needed to know. Il y a des choses que j'ai prêchées auxquelles je n'avais jamais pensé. There are things that I've preached upon that I never thought about. Ainsi, nous voyons que Dieu conduit son peuple. So we see that God leads his people. Il est celui qui connaît les besoins du peuple. He is the one who knows the needs of the people. Quand il a pris Israël en Égypte, like when he took Israel to, from Egypt, il a dit qu'il l'a conduit par le chemin que Israël ne connaissait pas. He said that he led Israel in a way that Israel did not know. Il nous a dit qu'il y a un chemin qui était plus court pour partir de l'Égypte jusqu'à la terre promise. It is told to us that there was a much shorter way to go from Egypt to the promised land. Mais Dieu a conduit Israël par un très long chemin. But God led Israel through a very long way. Il a conduit par la mer Rouge. He led them through the Red Sea. Et par la mer Rouge, il a montré sa puissance à ce peuple. And through the Red Sea, he showed his power to the people. Le peuple a pensé un moment que Dieu avait mal fait son jugement. The people even thought at one moment that God had made the wrong decision. En les conduisant devant un obstacle puissant. In leading them in front of a very powerful obstacle. Et en amenant derrière eux l'ennemi en grand nombre. And bringing the enemy behind them in great number. Et ça, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. And this is something that the people need to understand. Que Dieu ne fait pas d'erreur. That God makes no error. S'il y a quelqu'un qui ne se trompe pas, if there is someone who does never make a mistake, c'est Dieu. That is God. Même si vous ne comprenez rien, even if you do not understand, suivez anything, tout simplement la direction qu'il vous indique. Just follow the direction that he is indicating to you. Il sait très bien ce qui est au devant de vous. He knows very well what is before you. Que Dieu soit reconnu pour vrai. May God be recognized as a true one. Et tout homme pour menteur. And every man as a liar. Nous avons vu, bien aimé, que we have seen, beloved, that Dieu est celui qui a la réponse réelle. God is the one who has the true response. Aux différentes questions que l'homme peut se poser. To the different questions that a man can ask. Que ce soit des questions pour la demain, pour le futur. Whether these are the questions for their future. Que ce soit des questions pour la vie d'aujourd'hui. Or if it's questions regarding the life. Ou même pour le passé. Or even regarding the past. Dieu connaît la réponse à toutes ces questions. God knows the response to each of these questions. On pourrait se poser la question, que faisons-nous sur la terre aujourd'hui? We can ask the question and say, but what are we doing on the earth pourquoi today? Pourquoi est-ce que je suis croyant? Why am I a believer? Pourquoi celui-là, il est incrédule, c'est un pécheur? Why is this one an unbeliever and a sinner? Ces questions, nous les trouverons chez Dieu. These questions we will find with God. Et les réponses sont toujours en Dieu. And the responses are always in God. Dieu nous dit ceci dans 1 Timothée, oui. God says this in 1 Timothy. Lisons d'abord un peu cela avant d'aller plus loin. 1 Timothée au chapitre 4. Let us read in 1 Timothy chapter 4. L'apôtre Paul en parlant à Timothée. The Apostle Paul, in speaking to Timothy, en le conseillant pour qu'il soit un bon serviteur de Dieu, in advising him that he may be a good servant of God, il lui dit, je peux peut-être prendre à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. I can take from verse 7 to verse 8. Il lui conseille de prendre, de repousser les contes profanes des vieilles femmes, donc les discussions. But refuse profane and old wives' fables. Il dit au verset 8, verse 8 he says, exerce-toi à la piété. 8. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things. Oui, il y a le début qui est en français qui n'est pas là. Ils ont traduit en anglais après la virgule. Ok. They translated in English after the semicolon. Il dit que exerce-toi la piété. It says, train yourself. It's verse 7. And exercise thyself rather into godliness. Ils ont mis ça. Merci, frère Joseph. Exerce-toi à la piété. And exercise thyself rather unto godliness. C'est-à-dire que tu dois chercher à pratiquer la vie de Dieu.
This means that you must seek to practice the life of God. Comment est-ce que tu peux faire cela? How can you do this? En obéissant la parole de Dieu. In obeying the word of God. Car personne ne peut vivre la parole de Dieu par lui-même. For nobody can live the word of God by himself. Ainsi il dit, exerce-toi à la piété. So it says, exercise thyself rather unto God. Alors dit, car l'exercice corporel est-il à peu de choses. For, and it says, for bodily exercise profiteth little. Il dit, tandis que la piété. But godliness. Est utile à tout. Is profitable unto all things. Et là, la promesse de la vie présente. Having promise of the life that now is. Et de celle qui est à venir. And of that which is to come. La vie de Dieu. The life of God. Elle est utile à tout. Is useful or profitable. Et là, la promesse pour la vie de, pour ce que tu vis maintenant. It has the promise for what you are living right now. Et là aussi, la confirmation ou l'assurance pour la vie à venir. And also has the confirmation and the assurance for that which is to come. Et c'est pour cela que, bien aimé. And this is why, beloved. Le Saint-Esprit nous a été donné. The Holy Spirit has been given to us. Pour nous confirmer les choses, comme on dit, comme je vais dire, comme on l'a lu ici, il était dit que. As we read it, quand le Consolateur sera venu, when the Comforter will come, l'Esprit de vérité, the Spirit of truth, il vous conduira dans toute la vérité. He will lead you into all truth. Ça, c'est pour la vie présente. That is for the present life. Ça, c'est pour comprendre ce que nous faisons. This is to understand what we are doing. Vous savez, quand Joseph est en train de passer par ce que je pourrais appeler sa période sombre, when Joseph was going through his dark period, if I can call it, Dieu ne lui a jamais expliqué avant. God never explained this to him before. Mais la vie qu'il menait, but the life that he was living, rendait témoignage, gave testimony, que Dieu était sur ses garçons. That God was upon him. Il n'a jamais voulu s'essuyer avec la femme de Potiphar. He never wanted to defile himself with Potiphar's il wife. Il n'a jamais voulu faire quelque chose de mauvais. He never wanted to do something bad. Et tout ce qu'on lui donnait, and all that they gave him, et connaissait du succès, new success. Et cela montrait que, and this showed, même dans sa souffrance, even in his suffering, Dieu n'était pas éloigné. God was not astray from him. Ainsi, la vie, la piété, so the godliness, je le relis de nouveau, I will reread it, a la promesse de la vie présente. Having promise of the life that now is, et de celle qui est à venir, and of that which is to come. Ainsi, bien aimé, so beloved, nous sommes dans les jours du temps de la fin. We are in the days of the end time. Où nous voyons des choses difficiles arriver. Where we are seeing difficult things happening. Mais il y a quelque chose que nous avons vu. But there is something that we saw. Dimanche passé. Last Sunday. Il était question quand on nous demandait, quand Dieu, la question posée, comment est-ce que je peux reconnaître que c'est ça, c'est un prophète de Dieu. But where the question was asked, how can it be known that this is a prophet of God? Nous avons lu cela dans Deutéronome 13 et Deutéronome 18. We read this in Deutéronomy chapter 13 on dit, and 18. Quand ce que dira le prophète, he said, when what the prophet says s'accomplira, is fulfilled, cela veut dire que cela vient de Dieu. This means that it comes from God. Et le prophète, le grand prophète qui nous a été donné aujourd'hui, and the great prophet that was given to us today, ce n'est pas un homme. Is not a man. Frère Branham, nous avons eu Frère Branham. Brother Branham said, people say that we had Brother Branham. Mais Frère Branham est parti. But Brother Branham has gone. Frère Frank est parti. Brother Frank has gone. Mais c'est pour ça que les gens s'agitent maintenant. And this is why we see people agitated. Et la suite, qui est celui qui va prendre la place? And they want to know the following. Who is the one that mais nous avons un prophète en permanence. But we have a prophet in permanence. C'est le Saint-Esprit. That is the Holy Spirit. Et les gens oublient cela. And people forget this. C'est lui qui a été donné pour nous conduire jusqu'au bout. He is the one who was given to us to lead us to the end. Le Seigneur a dit. The Lord said. Voici, je serai avec vous. Behold, I will be with you. Jusqu'à la fin des temps. Until the end of time. Il n'a jamais dit qu'il nous laissera seul. He never said that he would leave us alone. Mais il a dit que je serai avec vous. But he said, I will be with you. Jusqu'à la fin des temps. Until the end of time. Et si le grand prophète. So the great prophet. Même quand Branham était ici. Even when Branham was que ce soit même avec Moïse, even if it was of Moses, ou qui que ce soit d'autre, tous ils dépendaient de celui qui parlait au travers d'eux. They all depended upon the one who spoke through them. Ce n'était que des instruments que Dieu utilisait. It was the instruments that God was using. Comme nous l'avons vu, nous l'avons lu dimanche dans Hébreux chapitre 1er. As you read on Sunday in Hebrews chapter 1. Que Dieu nous avait parlé au Père par les prophètes. That God spoke to the fathers through the prophets. Pendant les différents âges. Throughout the different ages. Mais il dit que dans ce dernier temps, dans du temps
l'épaule et des autres. But he said that in these final times, in the time of Paul, Dieu nous a parlé dans le Fils. God has spoken to us in the Son. Ainsi, ces hommes ont été utilisés. So these men have been used par Dieu pour pouvoir ainsi exercer son ministère. By God to be able to execute His ministry. Ainsi, l'esprit qui nous conduit, qui doit conduire l'Église. So the Spirit that must lead the church. C'est l'esprit de vérité. Is the Spirit of truth. Et l'esprit de vérité. And the Spirit of truth. Atteste d'abord que la parole de Dieu est vérité. Tests first to see if the word of God is true. Non, not if. Non. Confirme confirms que la parole de Dieu that the word of God est la vérité. Is the truth. Si quelqu'un vient disant qu'il a l'esprit de Dieu, if somebody comes and says that they have the Spirit of et qu'il est en train de dire quelque chose contraire à la parole de Dieu, and he is saying something contrary to the word of God, il n'a pas l'esprit de Dieu. He does not have the Spirit of God. Frère Branham disait en son temps, when Branham said in his time, comment pouvez-vous dire que vous êtes baptisé du Saint-Esprit? How can you say that you are baptized with the Holy Spirit? Et que vous vous opposez à la parole de Dieu? That you oppose to the word of God. Car le Saint-Esprit est l'auteur de la parole. For the Holy Spirit is the author of the word. Comment pouvez-vous dire que vous avez le Saint-Esprit? How can you say that you have the Holy Spirit? Et vous rejetez la parole quand elle est prêchée dans sa vérité. And you reject the word when it's preached in its truth. Non, le Saint-Esprit. No, the Holy Spirit. Nous ramène aux enseignements de la parole. Brings us back to the teachings of the word. Quand le Seigneur est ressuscité des morts. When the Lord was resurrected from qu'est-ce the qu'il a fait? What did he do? Quand il a rencontré les frères sur le chemin d'Emmaüs. When he met the brethren on the way to Emmaus. Ou qu'il a rencontré les frères dans la chambre haute. Or he met the brothers in the upper room. Quand Thomas n'était pas là. When Thomas was not there. Il a fait une chose. He did something. Il a répété la même chose plusieurs fois. He repeated the same thing many times. Il les ramenait sur ce qui était écrit. He said he brought them back to what was written. Il dit, je ne vous avais pas dit ça. He said, I did not dans la loi, il était écrit ceci. In the law, this is written. Dans les prophètes, il est écrit ceci. In the prophets, this is written. On dit qu'avec les frères qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, it said that the brothers who were on the way to Emmaüs, il a commencé à l'arrêter par Moïse, comme il est dit sur Luc 24. In Luke chapter 24, il dit ceci, lisons comme cela est écrit correctement. It says this, let us read it as it is verset 26. Verse 26. Ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Ought not Christ have suffered these things and to enter into his glory? Et commençant par Moïse, donc la Genèse, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Amen. And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the Scriptures the things concerning himself. Le Saint-Esprit, comme Jésus, reprend les gens et les ramène dans toute la Bible. The Holy Spirit, as Jesus, takes the Holy Spirit and brings them through all the Bible. As the Holy Spirit, parce que c'est la même personne. Because it is the same person. Car on dit au commencement était la parole. For it says that in the beginning was the word. Et la parole était avec Dieu. And the word was of God. Et la parole était Dieu. And the word was God. Jésus Christ est la parole. Jesus Christ is the word. Qui a été fait chair. He was made flesh. Et quand il est venu, and when he came, il a toujours ramené les gens à retourner dans la parole. He always brought the people to return to the word. Car c'est là où se trouve la vérité. For this is where the truth is found. C'est là où se trouve le début de la chute. This is where the beginning of the fall. Comment cela est arrivé? How it happened? Et quelle est la solution que Dieu a pourvu pour nous faire sortir de la chute? And what is the solution that God provided to bring us out of the fall? C'est ça l'esprit de vérité. This is the Spirit of truth. L'esprit qui nous conduit ainsi dans ces derniers jours. The Spirit who is leading us in these final days. Pour amener l'Église à dans sa position parfaite. To bring the church to its perfect position. Et c'est ainsi que bien aimé. And this is how the comme on dit, et quand on leur expliquait ces choses. And when these things were explained to them. Les frères avaient le cœur terriblement touché. The brothers had their hearts terribly touched. Jésus ne leur a pas expliqué des fables. Jesus did not explain fables to them. Il les a ramenés dans les Écritures. He brought them in the Scriptures. Car ta parole est écrite. Comme il est écrit dans le psaume, c'est le psaume 119, vous avez lu cela. We read this, Psalm 119. 160, il est dit, c'est verset 160. Verse 160. Il dit que le fondement de ta parole est la vérité. It says that the foundation of your word is the truth. S'il voulait comprendre les souffrances, la mort et la résurrection de Christ, if you want to understand the sufferings, the death and the resurrection of Jesus Christ, il devait connaître les Écritures.
You needed to know the scriptures. Il devait retourner aux écritures. They needed to return to the scriptures. Beaucoup de gens prêchent aujourd'hui que l'Ancien Testament est déjà passé. Many people preach today that the Old Testament is past. Et que maintenant nous n'avons que le Nouveau Testament. And that now we only have the New Testament. Mais vous ne comprendrez pas le Nouveau Testament. But you cannot understand the New Testament. Si vous n'avez pas l'Ancien Testament. If you do not have the Old Testament. Parce que le Nouveau Testament. Because the New Testament. Est l'éclaircissement de l'Ancien. Is the enlightenment of the Old Testament. Et l'Ancien Testament. And the Old Testament. Comme j'entendais Frère Frank le prêcher. As I heard Brother Frank preaching it. Les Juifs jusqu'aujourd'hui. The Jews until today. Ils lisent l'Ancien Testament. They read the Old Testament. Ils refusent le Nouveau. And they refuse the New ils Testament. Ils peuvent pas comprendre cela. They cannot understand it. Car la révélation de l'Ancien Testament. For the revelation of the Old Testament. C'est dans le Nouveau. It's in the New Testament. Donc vous devez prendre les deux. So you need to take both. Les Juifs refusent le Nouveau Testament. But the Jews refuse the New Testament. Ils restent dans les ténèbres. They remain in darkness. Dans l'ignorance. In ignorance. Et ceux qui ont le Nouveau Testament. And those who have the New Testament. Qui refusent l'Ancien Testament. And qui refusent l'Ancien Testament. They refuse the Old Testament. Ils sont comme un enfant. They are like a child. Qui y voit au tableau. Who goes on the screen. Les signes d'égalité. Par exemple, on a posé un problème de mathématiques. Who la see mathematical equations on the screen. Yeah. Et il est écrit égal 4. And it shows equals 4. Mais 4 égale, mais qui est égal à 4? But what equals 4? Mais pour comprendre ce qui est égal à 4, but to understand what equals 4, il faut aller de l'autre côté du signe de l'égalité. You must go on the other side of the equal sign. C'est peut-être 1 plus 3. Maybe it will say 1 plus 3. C'est peut-être 3 plus 1. Maybe it will say 3 plus 1. Peut-être c'est 2 plus 2. Maybe it will say 2 plus 2. Il faut avoir les deux pour avoir l'équilibre. You must have both things to have the balance. Et c'est pour ça que l'esprit de vérité. And this is why the spirit of truth. Va dans l'Ancien Testament. Goes into the Old. Et prend le Nouveau Testament. And takes the New Testament. Et voici ce qui a été dit. And says, here is what is said. Et voici le résultat. And here is the result. Comme quand nous disons qu'un fils nous est né. Like when we read, a son is born unto us. Nous les chrétiens, nous n'avons pas de problème là-dessus. We Christians have no problem upon this. Quand on dit un fils nous est né. When it says to us, nous savons de quel fils il s'agit. We know which son it's regarding. Quand l'ange est venu parler à Marie. When the angel came to speak to Mary. Et cet enfant quand il naîtra. Saying that when this child vous l'appellerez Jésus. You will call him Jesus. C'est lui dont il est parlé. He is the one that is spoken dans Esaïe chapitre 7. In Isaiah chapter 7. La Vierge enfantera. The virgin shall le Seigneur lui-même vous donnera un signe. The Lord will give you a sign. Bien aimé ces choses. Beloved, these things. Trouve leur lumière. Find their life. Par la grâce de Dieu au travers de la révélation. By the grace of God through revelation. Et c'est la même chose nous concernant. And the same thing concerns beaucoup us. De gens critiquent ce que Dieu fait dans ces derniers jours. Many people criticize what God is doing in these last vous refusez que comment dire que la révélation de Malachi chapitre 4. And they refuse that the revelation of Malachi chapter 4. C'est accompli dans notre temps. Is fulfilled in our time. Mais allez prendre ce qui l'énoncé du problème. But go and take the. Comment est-ce qu'on peut dire le problème? Read the question in the Old Testament. Donc vous lisez. La question qui est posée dans l'Ancien Testament. So read the question that is presented in the Old Testament. C'est qu'on pourrait appeler l'énigme ou l'énigma. And what we can call the. The mystery. The mystery. Et le mystère est expliqué dans le Nouveau Testament. And the mystery is explained in the New Testament. Quand les frères, les disciples de Jésus. When the disciples of Jesus. Ils sont venus trouver Jésus. They came to find Jesus. Ils ont vu à la montagne de la Transfiguration. They saw on the Mount of Transfiguration. Ils ont vu Jésus être changé, revenu en gloire avec Moïse et Élie. They saw Jesus changed and coming in glory with Moses and Elijah. Mais ils ont dit, mais Seigneur, il y a un problème. And they said, but Lord, there's a problem. Il est dit dans l'Ancien Testament, Malachi l'a dit. It says in the Old Testament, and Malachi said it. Que avant que le Seigneur ne vienne. That before the Lord returns. Élie doit venir. Elijah must come. Et rétablir les choses. And reestablish all mais things. Mais toi, je t'ai vu là sur la montagne. But I saw you on the mountain. Il y a un problème avec les Écritures. There is a problem with the Scriptures. Et Jésus leur dit, effectivement. And Jesus told them. Les Écritures sont déjà accomplies. The Scriptures are already accomplished. Élie est venu. Elijah came. C'est ce que Élie est déjà venu. Elijah has already come. Mais eux, ils s'attendaient à voir Élie le Tishbite. But they were waiting to see Elijah the Tishbite. Descendant là avec sa longue barbe. Coming down with his long beard. Disant, mais voici moi Élie. Saying, here I am, it's Elijah. Il dit, non, 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 c'est pas comme ça.
But he said, no, it's not like this. Parce que quand Gabriel a expliqué à Zacharie, because when Gabriel explained to Zachariah, il lui a dit, he said, que cet enfant, that this child, viendra will come dans l'esprit et la puissance d'Élie, in the spirit and power of Elijah. Mais ils l'ont ignoré. But they ignored this. Le Nouveau Testament, the New Testament, est venu avec l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Came with the accomplishment of the prophecy in the Old Testament. Mais pour pouvoir les comprendre, but to be able to understand, il fallait this, être conduit par l'Esprit de vérité. You need to be led by the Spirit of Truth. Non, we needed to be led by the Spirit of Truth. Je parle de ceux du temps de Jean, de Zacharie et des autres. I'm speaking of those in the time of Zechariah and John. Et maintenant, c'est la même chose pour nous aussi aujourd'hui. And now it's the same thing for us today. Une fois, j'ai eu une dame au travail. One time I had a woman at work. Qui, elle est prédicatrice aujourd'hui quelque part ici en Angleterre. She's a preacher here somewhere in England. Qui me disait, oh, vous êtes en train de vous dire, Élie, c'était Jean-Baptiste. She was saying, you are trying to say that Elijah was John the Baptist. Non. Elle disait, hein, she was saying, que vous dites que Élie est Branham. That you are saying that Elijah is Branham. Mais Élie, c'était Jean-Baptiste. That Elijah was John the Baptist. On dit, mais effectivement. And I said, but yes. Si nous lisons ici dans Luc chapitre 1er, if we read here in Luke chapter 1, et au verset 17, in verse 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. 1:17. And he shall go before him in the spirit and power of Elias. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. To turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. Il y a trois choses comme frère Branham. Non, c'était cinq choses, j'ai oublié. Bon, je vais revoir cela. Cinq identifications de cinq identifications de la véritable Église. Il y a des choses que frère Branham a données qu'un ministre ne peut pas faire. There were things that brother Branham gave that a minister cannot do. C'est mal placer la parole. This is to misplace the word. Mal interpréter la parole. To misinterpret the word. La mettre pour un temps qui n'est pas correct. And to put it somewhere which is mais not correct. Mais j'ai oublié les autres. But I've forgotten the others. Et c'est quand les gens lisent ceci. So when people read this, ils sont comme ce que nous voyons aujourd'hui. They are like what we see today. Des gens qui prennent même les citations du prophète. People who even take the citations of a prophet. Oh, les gens qui prennent les citations de frère Frank. Or people who take the citations of brother Frank. Et qui veulent l'adapter selon leur propre convenance. And they want to adapt it according to their own convenience. Mais quand vous avez l'esprit de vérité, but when you have the spirit of truth, comme nous l'avons, nous allons le revoir encore aujourd'hui, celui qui a inspiré les prophètes. As we saw and we will see again today, the one who inspired the prophets. Et quand il a inspiré les prophètes, and when he inspired the prophets, le même esprit venait inspirer les plus apôtres. The same spirit came and inspired the apostles. En sorte que même les jours de la Pentecôte. That even on the day of Pentecost, quand l'apôtre Pierre a commencé à parler, when the apostle Peter started to speak, il n'était pas comme moi, je suis venu pour m'asseoir là, commencer à prier pour chercher le message à prêcher. He was not like me who came in here to sit and seek the message to preach. Ces choses sont sorties. These things came out. Sans aucune préparation. Without any preparation. Montrant par là que showing through this, c'est lui qui avait inspiré les prophètes. The one who inspired the prophets. Nous l'avons lu dans 1 Pierre chapitre 1, n'est-ce pas, verset 10 et la suite. We saw this in 1 Peter chapter 1, verse 11. Mm-hmm. Il dit que c'est poussé par le Saint-Esprit. Saying that it is led by the Holy Spirit. Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. That men spoke from God. Et cela veut dire, bien aimé, que and this means, quand je parle avec cette âme, je reviens vers elle. When I was speaking with this woman, mais dites-vous, vous commencez à exagérer. She was saying, you are starting to exaggerate. L'Élie dont il est parlé, Elijah that Jesus spoke about, c'était Jean-Baptiste. Was John the Baptist. Et c'est vrai. And that is true. Jean-Baptiste est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. John the Baptist came with the spirit and power of Elijah. Mais même quand il est venu, but even when he came, les gens de son âge ne l'ont pas reconnu. The people of his age did not recognize. C'est Jésus qui l'a dit lui-même. It's Jesus who said this. Si nous allons d'abord dans Matthieu chapitre 12, if we go to Matthew chapter 12, je vais prendre après Matthieu chapitre comment dit chapitre 17. I will take afterwards in Matthew 17. Jésus disait ceci. Jesus said. Attends, Matthieu chapitre 12. Hein, quand Matthew, il parle de Matthew chapter 12. Oh, pardon.
quand il parle, j'ai oublié, quel verset, oui, il parle d'abord de lits. Attends, je vais le prendre en 17, je vais le retrouver. Ne vous en faites pas. I will take it in 17. Non, c'est 15-22. It's 15. Non, non, c'est pas ici. Non, non. Oh, il y a un verset où il... Tu connais le verset? Non. Attends, je vais le retrouver. Où Jésus, où on dit que Jean-Élie est déjà venu. Mais c'est 17, mais il y a un autre verset. J'ai 17 ici. Oui, non, Matthieu 11, pardonne-moi, c'est pas Matthieu 11. Matthieu 11, merci. Matthieu chapitre 11. Et où Jésus rend déjà témoignage à Jean-Baptiste. But Jesus gives testimony of John the Baptist. Il dit ceci. He said. À partir du verset 9. From verse 9. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète, oui, vous dis-je, est plus qu'un prophète. But what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, and more than a prophet. Ça, c'est le Seigneur qui rend témoignage de Jean. This is the Lord who gives testimony about John. J'ai commencé un peu plus bas, mais si vous remontez, vous allez voir comment est-ce qu'il a commencé, c'est là. I started a bit lower down, but if you go up, you will see how it starts. C'est après que les disciples de Jean soient venus demander à Jean est en prison. Est-ce que c'était toi ou quelqu'un d'autre devait attendre quelqu'un d'autre? This is when John was in prison and his disciples came to ask Jesus, are you the Messiah or should we wait for someone else? Et Jésus a ramené Jean à Ésaïe 35. And Jesus brought John to Isaiah 35. Où il était dit que, bon, parce que nous sommes là des véritables témoins, prenons le temps. Parce que je saute des fois des choses. Recommençons à partir du verset au premier du chapitre 11. Let us start from verse 1 of Matthew chapter 11. Bien-aimé, le Saint-Esprit. Beloved, the Holy Spirit, c'est le meilleur enseignant que Dieu nous a donné. Is the best teacher that God has given to us. C'est l'Esprit de vérité. He is the Spirit of qui nous ramène dans les Écritures. Who brings us back in the Scriptures. Un véritable enfant de Dieu. A true child of God. A son fondement dans les Écritures. Has his foundation in the Scriptures. C'est comme on dit, le fondement de ta parole est la vérité. Well, it says the foundation of your word is the truth. Maintenant, prenons seulement le cas de Jean-Baptiste. Alors, je ne veux pas aller trop vite. Des fois, j'essaie de sauter des choses. Parce que j'ai des choses écrites ici, mais ce n'est pas nécessaire. Je préfère être conduit comme je l'ai dit. Now let us take the case of John the Baptist. I prefer not to jump over things. Yeah. Lorsque Jésus a achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his 12 disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples. Frère Branham dit que l'aigle de Dieu Brother Branham said that the eagle of God avait sa vision un peu obscurcie. Had his vision a bit obscured. À cause des souffrances par lesquelles il passait. Because of the sufferings that he was going through. C'était un ministère très puissant. It was a very powerful ministry. Qui a duré seulement peu de temps. Which remained for just a bit of time. Un tout petit peu de temps. Just a little bit of time. Alors, il ne comprenait pas. So he did not understand. Il attendait aussi peut-être de voir le royaume de Dieu être établi sur la terre. Maybe he was waiting to see the kingdom of God established on the earth. Mais ça n'arrivait pas. But it did not happen. Alors maintenant, il envoie ses disciples. So now he sends his disciples. C'est lui qui m'a envoyé baptiser au désert. The one who sent me to baptize. M'a dit que c'est lui sur lequel tu verras l'esprit descendre. Told me that the one that you will see the spirit descend. C'est lui qui baptisera de feu de l'esprit. He is the one that will baptize with spirit mais and fire. Il y a quelque chose qui me trouble. But there is something that is troubling me. Allez lui poser la question. Go and ask him the question. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? And said unto him, art thou he that should come, or do we look for another? L'esprit de vérité. The
The Spirit of Truth nous ramènera toujours à Dieu. Will always bring us to God. Toujours dans les Écritures. Always in the Scriptures. Jésus Christ n'a pas dit aux envoyés. Jesus Christ has not said. Allez lui dire c'est moi. Go and tell him. Il n'y aura pas quelqu'un d'autre. There will not be somebody else. Mais il a fait ceci. But he said he did this. Jésus leur répondit. And Jesus answered and said. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Go and show John again those things which you do hear and see. Car un enfant de Dieu véritable, for a true child of God, doit connaître les promesses bibliques. Must recognize the biblical promises. Et quand il connaît les promesses bibliques, and when he recognizes the biblical promises, faut regarder à l'accomplissement des promesses bibliques. You look at the accomplishment of the biblical. Alors je te dis. Then Jesus said, allez rapporter à Jean. Go and tell John. Vous êtes les témoins. You are the witnesses. Ce que vous entendez ici. What you hear here. Ce que vous voyez ici. What you see here. Retournez chez Jean. Go back to John. Dites-lui exactement ce que vous avez vu. And tell him exactly what you have seen. Dites-lui exactement ce que vous avez entendu. Tell him exactly what you have heard. Lui-même connaissant les Écritures. He himself knowing the Scriptures. Saura de qui il s'agit. Will know who it's written. Aura la réponse à ta question. And will have the response to your question. Il dit ceci. He said, les aveugles voient. The blind receive their sight. Les boiteux marchent. And the lame walk. Les lépreux sont purifiés. The lepers are cleansed. Les sourds entendent. And the deaf hear. Les morts ressuscitent. The dead are raised up. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. The gospel preached to them. Quelle réponse? What a response? Moi, j'attends qu'on me dise. I'm waiting. I was waiting. La question paraissait simple. The question appeared to be so simple. Es-tu celui qui devait venir? Are you the one that needed to come? Ou devons-nous en attendre un autre? Or should we wait for somebody else? La réponse simple pouvait être résumée en ceci. The simple response could have been. Je suis celui. I am the one. Qui devait venir. That needed to come. Comme il a dit à la femme au puits. As he said to the woman at the well. Le Messie quand il viendra. When the Messiah shall come. Fera ceci, fera cela. He will do this and that. Nous dira ces choses que tu as faites. And will tell you the things that you have done. Jésus dit à la femme. Jesus told you. Je ne suis moi qui te parle. I am the one that you're saying. La femme savait avoir la réponse simple et claire. The woman had the response simple and clear. Mais maintenant ici, but now here, la réponse à Jean-Baptiste, the response to John qui Baptist, était un aigle, he was an eagle, dit, allez lui dire, said, go and tell him, les aveugles voient, the blind can see, les boiteux marchent, the lame walk, les lépreux sont purifiés, the lepers are cleansed, les sourds entendent, the deaf hear, les morts ressuscitent, the dead are raised, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. And the poor have the gospel preached to them. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. Pourquoi Jésus lui a dit ça? Why did Jesus say car this? Cela a été écrit de lui dans l'Ancien Testament. For this was written of him in the Old Testament. Lisons-le ensemble. We can read it together. Ésaïe 35. Ésaïe 35. Ésaïe 35. Ésaïe 35. Nous connaissons bien ce passage, il est très bien connu au milieu de nous. We know these scriptures very well. Où il est dit, dites à ceux qui sont, commençons à partir du verset 4. From verse 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Say to them that are of a fearful heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance, even God with a recompense. He will come and save you. Dieu viendra et vous sauvera. Et qu'est-ce qu'il fera? God will come and save you, and what will he do? Écoutons maintenant à partir du verset 5 jusqu'au verset 6 et comparons avec ce que nous venons de lire maintenant dans Matthieu chapitre 11. Listen now to verse 5 and verse 6 and compare it to what we read in Matthew chapter 11. Jésus renvoya au fait Jean aux Écritures. Jesus sent John to the Scriptures. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Then the eyes of the blind shall be opened. S'ouvriront les oreilles des sourds. And the ears of the deaf shall be unstopped. Alors les boiteux sauteront comme un cerf. Then shall the lame leap, the lame man leap as an hart. Et la langue du muet éclatera de joie. And the tongue of the dumb sing. Car des eaux jailliront dans le désert. For in the wilderness shall waters break out. Et des ruisseaux dans la solitude. And streams in the desert. Mais ceci bien aimé. But this beloved. Il l'a ramené seulement au miracle ou à la bonne nouvelle qui était annoncée. He only brought this to the good news that has been announced. Et si le Saint-Esprit qui avait inspiré Esaïe. And if the Holy Spirit who inspired Isaiah était en train de réaliser exactement ce qu'il avait dit, was fulfilling exactly what he said, le Dieu lui-même viendra vous sauvera. God himself will come and save you. Les aveugles verront. The blind shall see. Les sourds entendront. The deaf shall hear. Les boiteux marcheront. The lame shall la bonne nouvelle sera annoncée. The good news shall be des ruisseaux seront ouverts dans le désert. The, des ruisseaux.
the end of verse 6. And streams in the desert shall break out. Et voyez-vous comment est-ce que il parle de ces rafraîchissements. And he's speaking of this refreshment. Et les gens sont repartis au ministre l'argent. And people went and brought this back to John. Les gens n'auraient pas renvoyé, j'ai rien compris. And John did not send them back. Que Dieu était sur la terre. That God was on the earth. Et il a dit à Hérode. And he said to Herod. Ce n'est pas ta femme, cette femme-là. This woman here is not your wife. Alors maintenant, quand ces gens sont partis. So when these people left. Jésus maintenant se tourne vers la foule. Jesus turned to the crowd. Verset 6, verset 7. Verse 7. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule. Au sujet des gens. Qu'êtes-vous allé voir au désert? And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, what went he out into the wilderness to see? Un roseau agité par les vents. A reed shaken with the wind. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons du roi. But what went he out for to see? A man clothed in soft raiment. Behold, they that wear soft clothing are in king's houses. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. But what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, and more than a prophet. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin. Ça c'est Malachie chapitre 3, verset 1er. For this is he of whom it is written, behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Vous voyez, Jésus lui-même confirme. Jesus himself confirmed. Que Jean-Baptiste. That John the Baptist. Et le Malachie chapitre 3. Is the Malachi of chapter 3. Verset 1er. Verse 1. Et puis dit. And then he said. Je vous l'ai dit en vérité. Parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Verily I say unto you, among them that are born of women, there have not risen a greater than John the Baptist. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. Je continue à lire les témoignages du Seigneur. I will continue to read the testimony of the Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence. And the violent take it by force. Car tous les prophètes, écoutez, car tous les prophètes, Moïse, Élie, tout le monde, for et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. For all the prophets and the law prophesied until John. Et si vous voulez les comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. And if ye will receive it, this is Elias which was for to come. Pour faire quoi? But to do what? Et c'est là où le que celui qui a des oreilles pour entendre entende. And this is why it says, he that hath ears to hear, let him hear. Bien-aimés, ne soyez pas comme les Israéliens qui sont avec nous jusqu'aujourd'hui. Beloved, do not be like the Israelites. With the Israelites, do not be as the Israelite people today. Jean-Baptiste est venu comme il est dit. Nous l'avons lu dans Luc chapitre 1er verset 17. John the Baptist came, as you read in Luke chapter 1, verse 17. Pour ramener le cœur des pères vers les enfants. To return the hearts of the fathers to the children. Et pour préparer à Dieu un peuple bien disposé. And to prepare to God a people well disposed. Mais ça, c'était la première venue du Seigneur. But this was the first coming of the Lord. Retournez à l'Ancien Testament pour comprendre ce que Jésus dit. Return back to the Old Testament to understand what Jesus said. L'Esprit de vérité. The Spirit of truth. Frères, ce n'est pas votre incrédulité. Brothers, it is not your unbelief. Qui va annuler les promesses de Dieu. Amen. That will cancel the promise of God. L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Amen. The Spirit of truth will lead you into all truth. Parce que quand, en ce qui concerne Jean qui est appelé Élie. Because in what concerns John who is called Elijah. Et qui devait préparer. Et venir avant la première venue du Seigneur. We needed to prepare a coming before the coming of the Lord. Pour comprendre ça, nous devons les lire dans Malachie chapitre 4. To understand this, we must read in Malachi chapter 4. Et Malachie chapitre 4. In Malachi chapter 4. Il est dit ceci. It says. Lisons bien. Verset 1er. Verse 1. Car voici les jours viennent ardents comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme des chaumes. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Verset 1er.
For behold, the day cometh that shall burn as an oven, and all the proud, yea, and all that do wickedly, shall be stubble. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. And the day that cometh shall burn them up, it saith the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. Yes. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings, and ye shall go forth and grow up as calves of the storm. Nous parlons du jour quand le jour du Seigneur va commencer. We are speaking of the day when the day of the Lord will start. Alors on vous dit, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. And ye shall tread down the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet, in the day that I shall do this, saith the Lord of hosts. Et maintenant il dit ceci aux enfants d'Israël. And now he says this to the children of Israel. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris à nos rêves pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Remember ye the law of Moses, my servant, which I commanded unto him in Horeb for all Israel, with the statutes and judgments. Il leur avait dit aussi dans cette loi qu'il vous enverra un prophète comme moi. He also told them in this law that he will send them a prophet. Moïse leur a dit cela clairement, Deutéronome 18:15. L'Éternel votre Dieu vous enverra un prophète comme moi, vous l'écouterez. Moses told them this clearly in the book of Deuteronomy, that God will send you a prophet and you must listen to him. Ce n'est pas votre jugement personnel qui changera quelque chose. It is not your personal judgment that will change something. Quand il voulait porter la main sur Jésus, when he wanted to lay his hands on Jesus, Nicodème leur dit, est-ce qu'on peut arrêter ou peut juger quelqu'un ou le condamner quelqu'un sans l'avoir écouté? Nicodemus told them, can we judge somebody without listening to him first? Ils ont dit, regardez, est-ce qu'il y a quelqu'un de parmi nous ici qui soit intelligent, si je peux le dire, qui est créé à ces choses-là? And he said, can you find somebody among us who is intelligent enough to believe in these things? Parce que Nicodème croyait. But Nicodemus believed. Il était là au milieu d'eux. He was there among them. C'est pour dire seulement ceci, bien-aimé. This is just to say, beloved. Qu'ils avaient même établi leur, leur niveau de jugement. That they themselves had established their own standard of judgment. Qui pouvait être Messie et qui ne pouvait pas l'être. Who can be the Messiah and who cannot be the Messiah. Et Jésus n'était pas qualifié d'après eux pour être le Messie. And Jesus was not qualified after them to be the Messiah. Mais Dieu lui dit ceci. Yeah, but God said, à celui qu'on méprise, to the one who mistreats, à celui qui n'est pas regardé, to the one who is not looked after. Et Isaïe dit ceci. Isaiah said, il s'est élevé comme une faible plante. He rose up as a weak plant. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. As un rejeton. Look in my Isaiah chapter 53:1. I don't know how to translate. Il était comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Verse 2. 53. Il s'est élevé devant nous comme une faible plante, devant lui comme une faible plante, comme un rejetant qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. Mm-hmm. He hath no form, no comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Oui, il n'avait pas ces critères qu'eux, ils avaient. He did not have this criteria that they had. S'ils avaient regardé les Écritures, if they looked at the scriptures, ils auraient pu s'attendre à ce que ça pouvait être n'importe qui. They should have waited to see that it could have been anyone. Mais l'Esprit de vérité n'était pas sur eux. But the Spirit of truth was not upon them. Ils étaient aveuglés. They were blinded. Ils ne pouvaient pas voir cela. They could not see même this. Quand la parole était manifesté devant eux. Even when the word was manifested before, mais l'homme qui était là n'était pas digne pour pouvoir faire cela. But the men who were there were not. The man who was there was not worthy for them. Amen. Nous regardons à ceci. Je retourne dans Malachi. But we are looking at this. I'm going back to Malachi. Après leur avoir dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. After telling them, remember ye the law of Moses, my servant, which I commanded unto him in Horeb for all Israel, with the same the statutes and judgments. Dans et Apocalypse chapitre 11.
In Apocalypse, Revelation chapter 11, Moïse viendra. Moses shall come. Et leur dira. And tell them. Qu'est-ce que je vous avais dit? What did I tell you? Qu'est-ce que je vous avais dit? What did I tell you? Voici l'homme est venu. The man came. Et vous l'avez crucifié. And you crucified him. Élie se tiendra là. Elijah will stand. Et je restaurerai l'autel de Dieu. And say, I restore. Pour vous ramener à Dieu. To bring it back to God. Qu'est-ce que vous avez fait? But what did you do? L'esprit de vérité. The spirit of truth. Ramène les enfants de Dieu. Brings back the children. Dans les limites de ce que Dieu a dit. In the limit of what God c'est has said. C'est pourquoi Dieu leur dit. That is why God told them. Vous Israélites, souvenez-vous de la loi de Moïse. You Israelites, remember the law. Je vais prescrire des ordonnances. I prescribe ordinances. Et des préceptes. And judgments. Pour tout Israël. For all of Israel. Israël, que toute la maison d'Israël sache. May all the house of Israel. Avec certitude. With certainty que Dieu that God a fait Seigneur et Christ, has made Lord and Christ, et c'est Jésus que vous avez crucifié. This Jesus whom you crucified. Retournons maintenant dans Malachi chapitre 4. Let us go back to Malachi chapter 4. Dit, voici verset 5. Voici je vous enverrai Élie le prophète avant les jours avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. C'est ce que nous avons lu au verset 1er de Malachi chapitre 4 ici. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. C'est Dieu qui l'a dit avant les jours grands et redoutables. It's God himself who said before the great and dreadful day. Et si vous lisez, je crois que c'est dans... Attends, je vais voir. Il y a quelqu'un, au lieu de dire redoutables, les jours heureux. Mais je ne viendrai pas là-dessus aujourd'hui. Elsewhere it says the blessed day. Yes. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. And he shall turn the hearts of the fathers to the children. Et ça, c'est ce que Jean Baptiste a fait. And this is what John the Baptist has done. Si vous lisez ça encore dans Luc chapitre 1, verset 17. If you read this in Luke chapter 1, verse 17. Jean Baptiste a fait cela. John the Baptist did this. Il a dit qu'il ramènera le cœur de père. He said he will return the hearts of the fathers. Will turn the hearts of the fathers. Yeah. Il ramènera pour ramener le cœur de père vers les enfants. He will turn the hearts of the fathers to the children. Et ça, c'est le ministère d'Élie dans verset 5, verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Verse 6, and he shall turn the hearts of the fathers to the children. Et il s'est arrêté là. And he stopped there. Selon Luc 1, 17. According to Luke chapter 1, verse 17. Luc 1, 17, il dit là, et ramènera le cœur des pères aux enfants, et les rebelles à la sagesse des justes. And the disobedient to the wisdom of the just. Mais la suite ici, il est dit dans au chapitre 6, deuxième partie, et le cœur des enfants à leur père. But in chapter 6, it says the hearts of the children to their fathers. Et ça, ce n'est pas que Luc s'est trompé. It's not that Luke made a mistake. En récitant, en disant ce que l'ange Gabriel avait dit à Zacharie. In citing what the angel Gabriel said to Zacharie. Non, il ne s'est pas trompé. No, he did not make a mistake. C'est poussé par le Saint-Esprit. It is led by the Holy Spirit. Ils ont tous écrit ces choses. That they all wrote these things. La chose est que the thing is that la prophétie n'était pas terminée. The prophecy was not finished. Et cette prophétie and this prophecy est terminée, disons maintenant dans Matthieu chapitre 17. Was finished, let us read in Matthew chapter 17. Pour comprendre la continuité. To understand the following. Bien-aimés frères dans les différentes églises. Beloved brothers in different churches. Vous avez certainement des églises que vous avez fabriquées vous-même. You certainly have churches that you fabricated yourself. Si vous n'avez pas, vous ne venez pas dans ce que Dieu a dit. If you do not come to what God has said. Vous vous opposez non pas à l'homme. You are not opposing a man. Mais vous vous opposez à Dieu. But you are opposing God. Qui vous défendra? Who will defend you? C'est ce que nous avons lu ainsi, comment Gamaliel disait ceci. This is what we read. Gamaliel said. Dit, ne courez pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. Do not take the risk to having fought against God. Ne vous battez pas contre Dieu. Do not fight against God. Car c'est le plan de Dieu pour le salut de toute l'humanité. But this is the plan of God for the salvation of all humanity. Dans Matthieu 17. In Matthew 17. Il est dit ceci. It says. Après la grande vision sur la montagne où Jésus était transfiguré. After the great vision on the mountain where Jesus was transfigured. Verset 9. Verse 9. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur... prenons plutôt le verset 9. Let us say from verse 9. Non, tel. Verse 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il doit venir premièrement? And his disciples asked him, saying... Why then say the scribes that Elias must first come? Écoutez la réponse du Seigneur, elle n'est pas contradictoire avec toutes les Écritures.
Listen to the response of the Lord. It is not in contradiction with the scriptures. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come and restore all things. Quand nous parlons ici, when we speak here, Jésus parle au futur. Jesus is speaking in the future. Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Truly shall Elias first come and restore all things. Et puis il dit ceci, verset 12. And then he says in verse 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. But I say unto you that Elias has come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Quand Jésus parle ainsi, when Jesus speaks here, Jean-Baptiste avait déjà été décapité. John the Baptist had already been beheaded. Nous voyons dans Matthieu 11. We see in Matthew chapter 11 que l'Élie dont Jésus dit que Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. That Jesus said that John the Baptist was the Elijah that needed to come. Mais quand Élie est venu, but when Elijah came, ils l'ont traité comme ils ont voulu. They treated him as they desired. Ils l'ont même coupé la tête. They even cut his head. Ils disent même le Fils de l'homme souffrira de leur part. And he said, likewise shall also the Son of Man suffer. Mais dans Matthieu, dans le Matthieu chapitre 4, versets 5 et 6. But in Malachi chapter 4, verse 5 and 6, il est parlé qu'Élie doit venir avant le jour grand et terrible de l'Éternel. It says that Elijah must come before the great and dreadful day of the Lord. Et comme je viens de me rappeler le verset, and I've just remembered the verse, c'est dans Actes chapitre 1er. It is in Acts chapter 1. Il est dit ceci. It says, je suis au chapitre 3, je vous n'allez pas. Attends, je vais juste trouver le verset. I'm just going to find the verse. Yeah, c'est le verset 20. It's verse 20. De Actes chapitre 1er, Acts chapter 1, où Dieu parle de, il prend un peu ce qui est écrit dans Joël, chapitre 2, where he takes what is written in Joël. Il dit, les soleils se changeront en ténèbres et la lune en sang. He says the Acts 1, 20. Acts 1, 20. Acte. Non. Are you in the book of Acts? Mm-hmm. One, and two in the book of Psalm, like this. Wait, is it just that chapter one? No, it's chapter two, sorry. Thank you, it's true. C'est chapitre 2, pardonnez-moi. It's chapter 2. Il est dit ceci. It says, les soleils se changeront en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ces jours grands et glorieux. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and notable day of the Lord come. Et quand vous lisez, c'est comme nous l'avons lu dans Malachie chapitre 4, verset 1er. And when you read, it's like as we read in Malachi chapter 4, verse 1. Il est dit ceci, ce jour sera il est glorieux pour nous. It says that this day will be glorious. It will be glorious. Mais ce sera un jour terrible pour les incrédules. But it will be a terrible day for the unbelievers. Si vous prenez Joël lui-même, chapitre 2. If you take Joel, chapter 2. En relation avec ces grands jours de l'Éternel, in relation with this great and dreadful day of the il est dit, les soleils verset 31, chapitre 2, les soleils s'échangeront en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ces jours grands et terribles. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and dreadful, the great and terrible day of the Lord come. Ces jours, il est terrible pour le pécheur. This day will be terrible for the sinners. Mais pour nous les pauvres,
But for us, the bride, nous serons dans, c'est un jour glorieux. It is a glorious day. Où Satan va être lié. Where Satan will be bound. Où les méchants seront balayés. Where the wicked will be swept. Alors avant ce jour-là, so before that day, Dieu a promis qu'Élie doit venir. God promised that Elijah must first come. Comprenez-vous la chose? Do you understand? Placez les écritures correctement. Place the scriptures correctly. Jean-Baptiste, quand il est venu, when John the Baptist came, même les Juifs eux-mêmes voulaient que Jésus soit le roi. Even the Jews wanted that Jesus be the king. Mais Jésus ne pouvait être roi avant d'être le rédempteur. But Jesus could not be the king before being the redeemer. Il devait d'abord venir comme étant l'agneau. He first needed to come as the lamb. Et en tant qu'agneau, il devait mourir pour notre rachat. And as the lamb, he needed to die for our redemption. Nous avons chanté, nous avons un, we have a redeemer. We sang, we have a redeemer. Naomi a dit à Ruth, nous avons un parent rédempteur, Boaz. Naomi said to Ruth that we have a kinsman redeemer. Et nous avons, il devait d'abord venir comme étant le rédempteur. And he needed to come first as the redeemer. Comme un agneau, comme dans la boucherie. Like a lamb that is brought to the slaughterhouse. And coming, il a dit ceci. He said, Jean-Baptiste, John the Baptist, de tous ceux qui sont nés de la femme, all those that are born of the woman, il n'y a pas plus grand que lui. There's no other that pourquoi is parce que Jean-Baptiste était le pont. Why? Because John the Baptist was the post. Non, le pont, the bridge. The bridge. Il était le pont. He was a bridge. Entre l'Ancien Testament, between the Old Testament et le Nouveau Testament. And the New Testament. Entre l'Ancienne Alliance between the Old Testament et la Nouvelle Alliance. And the New Covenant. Voyez-vous, bien aimé, l'Ancienne Alliance, le sang ne faisait que couvrir le péché. In the Old Covenant, the blood was just covering the sin. Mais dans la Nouvelle Alliance, in the New Covenant, le sang ôtait le péché. This blood removed the sin. C'est pourquoi il avait un ministère très important. That is why he had a very important mais ministry. Ce jour-là que Jean-Baptiste est venu, but on this day when John the Baptist ce n'était pas l'aube du jour de l'Éternel. It was not the day of the Lord. Parce que l'Église devait encore être appelée. Because the church still needs to be called. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne traitait qu'avec les Juifs. In the Old Testament, Jesus only dealt with the Jews. Mais il est venu. But he came. Pour que toute la terre. That all the earth. Puisse ainsi croire. May believe. Et être racheté. And be redeemed. Il devait d'abord faire entrer aussi l'Église des Nations. He needed to bring in the church of the nations. Et c'est pourquoi les jours de l'Éternel n'étaient pas encore là. And that is why the day of the Lord. Et avant les séjours grands et terribles. And before this great and dreadful qui est appelé dans le Nouveau Testament. Which is called in the New Testament. Et je voulais lire encore. Venez, Ésaïe et Joël chapitre 2 verset 31. Let us take Joel chapter 2 verse 31. We read it already. We read it. La lune se changera en ténèbres. Where it says that the sun shall be turned into darkness. La lune en sang. And the moon into blood. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Before the great and terrible day. De ces jours grands et terribles. This great and terrible. Et vous allez dans le livre de Luc. And you can go in the book of Luke. Luc reprend, comme on dit dans le livre de Luc. Dans le livre des Actes, pardonnez-moi. You can take in the book of Acts. Et au verset 20 et verset 21. Verse 20 and verse 21. On dit. Pierre reprend exactement ce que Joël avait dit. Peter takes exactly what Joel said. Mais il s'applique ça maintenant à nous, les enfants de Dieu. But now he applies this to us, the children. Le soleil se changera en ténèbres. The sun shall be turned into darkness. Et la lune en sang. And the moon into blood. Avant l'arrivée du jour du Seigneur. Before the great and notable day of the comme Lord. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. As I said earlier. On ne nous dit pas que Pierre avait la Bible dans sa main. It does not tell us that Peter had the Bible. Ou les rouleaux qui étaient au temple. Or the scrolls. C'est le Saint-Esprit lui-même qui sortait ces choses dans tout le monde. It is the Holy Spirit that brought out these things before everyone. Alors le Saint-Esprit dit. So the Holy Spirit said. Avant l'arrivée du jour du Seigneur. Before the coming of the Lord. Et ici il a dit ceci. Oh, j'ai enlevé. And here it says. Je reprends un peu. Je reprends, comment dire, Joël. I'm taking Joel again. Ici, dans l'Ancien Testament, here in the Old Testament, on dit, avant les jours de l'Éternel, before the day of the Lord, dans le Nouveau Testament, in the New Testament, avant l'arrivée du jour du Seigneur, before the day of the Lord, c'est qui le Seigneur? Who is the Lord? C'est lui, il est le même. L'Éternel est Seigneur. The Lord is Lord. Et le Seigneur est Jésus Christ. And the Lord is Jesus Christ. Oh, ouais, ça, ce sont les Écritures. Le Saint-Esprit dans la vérité vous ramène dans les Écritures. These are the Scriptures, and the Holy Spirit in the truth brings et you back puis, to the Scriptures. Joël dit ceci. And then Joel says. De ces jours grands et redoutables et terribles, pardonnez-moi. This great and terrible day of the Lord. C'est Amos, c'est pas Amos. C'est Malachi qui dit plutôt que.
It's Malachi who says. Laisse-moi prendre, les mettre ensemble comme ça nous les voyons. Let me just put it together so that we may see it. Il dit ceci, Malachi chapitre 1er. Malachi chapter 1. Il dit ceci. He said. Malachi chapitre 4, verset 5, il dit ceci. Malachi chapter 4, verse 5. Avant que les jours de l'éternel arrivent. Before the great and dreadful day of the Lord comes. Ces jours grands et redoutables. This great and dreadful day. Quand tous les méchants seront balayés. For all the wicked will be swept. C'est pas moi qui l'ai dit. I'm not the one who says this. Quand, verset 1er. Verse 1. Malachi 4. Malachi chapter 4. Quand voici les jours viennent, ardent comme une fournaise. For behold, the day cometh that shall burn as an oven. Tous les hautains and all the proud, et tous les méchants, yea, and all that seront comme du chaume. Shall be stubborn. Les jours qui viennent les embrasera. And the day that cometh shall. Dit l'Éternel des armées. Saith the Lord of hosts. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. But it shall leave them neither root nor branch. Ça c'est pour eux, c'est un jour terrible. For them, this day was terrible. Un jour redoutable. A dreadful day. Un jour grand. Il est grand et redoutable. It is great and dreadful. Il est grand et terrible. It is great and terrible. Mais maintenant, voyez la suite. But now let us see the following. Mais maintenant, pour les croyants, but now for the believers, c'est un jour grand et glorieux. It is a great and glorious. Car au verset 2, il est dit. For verse 2, it says. Mais pour vous qui craignez mon nom, but unto you that fear my name, s'élèvera le soleil de la justice. Shall the sun of righteousness arise? Et la guérison sera sous ses ailes. And the healing will be on his wings. Il n'y a plus de maladie qui nous embêtera. There is no sickness that will disturb. Vous sortirez comme les veaux d'une étable. Ye shall go forth and grow up as calves of the stall. Oui, quand les veaux sortent de l'étable. When the calves come out of the store, ils ne sont pas comme les mamans vaches et les autres. They are not like the mother calves. Les mamans vaches sont brrrr. And the mother will come out. En belant, en faisant du bruit comme un man pour aller manger. In making noise to go and eat. Mais les veaux sortent en disant gloire à Dieu, il y a le soleil, maintenant je peux m'amuser. But the calves will go out and be happy and say, now I can have fun, there is sun outside. Vous sortirez comme les veaux d'une étable. And ye shall go forth and grow up as. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare. And ye shall tread down the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet, in the day that I shall do this. Dit l'Éternel des armées. Voyez-vous la différence? Do you see the difference? C'est pourquoi quand nous lisons maintenant dans Actes chapitre 20, dans chapitre 2, pardonnez-moi, qu'est-ce qui se passe? Dans Actes chapitre 2, that is why when we read in Acts chapter 2, verset 20, verse 20, on dit, le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang. He says, the sun shall be turned into darkness and the moon into blood. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Before the great and notable day of the Lord come. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord. Voyez-vous, bien-aimé? Do you see, beloved? Élie doit venir avant que ce jour n'arrive. Elijah needs to come before this day happens. Et quand il va venir, qu'est-ce qu'il va faire? And when he comes, what will he do? Il ramène alors l'autre partie du verset de Malachi chapitre 4, verset 6, au verset 6. Jean-Baptiste a ramené le cœur des pères vers les enfants. He will bring the other part of the verse in Malachi chapter 4. John the Baptist brought the hearts of the fathers to the children. C'est-à-dire que ces juifs orthodoxes. These orthodox Jews. Il les a ramenés à l'enseignement des enfants. Jésus était parmi, considéré comme étant des enfants. He brought them back to the teachings of the children. Il les a ramenés maintenant à la réalité. L'Ancien Testament était l'ombre. The Old Testament was a shadow. Des choses qui étaient révélées dans le Nouveau Testament. Of things that were revealed in the New Testament. Jean-Baptiste les ramena à cela. John the Baptist brought them to this. Et maintenant, quand maintenant le Seigneur a été repris, and now when the Lord was taken back, et qu'il est monté au ciel, and he went up to heaven, l'autel qui a été érigé par Élie, the altar that was built by Elijah, Jean-Baptiste, John the Baptist, a été encore renversé. Was put down again. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? So what happened? Les mêmes esprits. The same spirit. Pas Élie et Tishbite. By Elijah the Tishbite. Non, pas Élie. Not Elijah, not a physical one. But the spirit in him, which was in him. L'esprit qui était dans Élie. The spirit that was in Elijah. Revient de nouveau sur la terre. Came back anew on the earth. Pour ramener maintenant le cœur des pères.
To bring back the hearts of the fathers. Ce sont tous ces orthodoxes chrétiens maintenant. All these people, these orthodox Christians. C'est dénominationnel qu'on a été. The denominations that we were in. Pour nous ramener maintenant. To bring us. Non, j'ai dit, je me suis trompé. Pour les enfants plutôt. The children. Right? Pour nous ramener à la doctrine de nos pères. To bring us back to the doctrines of our fathers. Qui sont des apôtres. Who are the apostles. C'est là où on a dit que nous sommes érigés. This is why it says we are built up. We are built up. Sur le fondement des prophètes et des apôtres. Upon the foundation of the prophets and the apostles. Ça, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 20. This is Ephesians chapter 2, verse 20. Et Christ lui-même est la pierre de l'angle. And Christ himself is the cornerstone. Et voilà, bien-aimé. C'est pour ça maintenant quand vous connaissez cela, vous lisez maintenant très bien Matthieu chapitre 17. On va arrêter maintenant. Et vous comprenez de quoi je suis parlé. Recommençons au verset 10. Let us start from verse 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il doit venir premièrement? And his disciples asked him, saying, why then say the scribes that Elias must first come? Parce que vous voyez les interprétations des hommes. Because the interpretations of men sautaient au fait la rédemption. Was going over the redemption. Ne voyaient que Jésus venir comme étant le roi vainqueur pour vaincre les Romains. And could only see Jesus coming as the king who was going to conquer the Romans. Mais il y avait une période importante, une étape importante. But there was an important stage. Qui était le rachat de l'humanité. Which was the redemption of humanity. Racheter tout ce que Adam avait perdu. To redeem all those that Adam has lost. Avant que Jésus ne revienne comme étant le roi des rois. Before Jesus can return as the king of kings. Alors on lui posa cette question. So they asked him this question. Il répondit, il est vrai qu'il doit venir et rétablir toutes choses. He said, it's true that Elijah must return and establish all things. Bien-aimés frères qui sont dans différentes églises dénominationnelles. Beloved brothers who are in different denominational churches. Vous savez que la parole de Dieu, l'église aujourd'hui n'est pas ce qu'elle a été au commencement. You know that the church today is not what it was in the beginning. Vous faites des choses, chacun fait ce qu'il veut. Each one does as he desires. Oh, il y a des trinitaires. There are trinitarians. Il y a des unitaires. There are oneness. People. Yes, il y a tout un tas de croyances. There are all sorts of beliefs. Mais la chose est qu'il n'y a qu'une seule église. Okay. But the thing is that there is only one church. Alors bien-aimé, les fondements qui étaient mis au commencement. So beloved, the foundations that was placed at the beginning. C'est lui qui nous a apporté le message, l'apôtre des nations. The one who brought us the message, the apostle of the nation, a dit que j'ai posé un fondement comme un sage architecte. And said, I've placed a foundation as a wise builder. Que celui qui bâtit dessus fasse attention. May the one who builds upon it be careful. Beaucoup ont commencé à bâtir dessus avec de la chaume. Many people have started to build upon it. Avec différents matériaux. With different material. Mais vous ne pouvez bâtir dessus qu'avec la parole. But you can only build upon this with the word. Alors maintenant, c'est qu'il a voulu, et on regarde maintenant. So now we are looking. C'est que l'autel des dieux. What the altar of God. A été renversé. Was brought down. Et c'est pour ça que quand Élie revient. And that is why when Elijah will return. C'est que Jésus est en train de dire ici était une grande prophétie. What Jesus is saying here is a great prophecy. Qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. That Elijah must come and restore all things. Quand il a dit, même Pierre n'avait rien compris. When he said this, Peter didn't understand anything. Mais les jours de la Pentecôte. But on the day of Pentecost. Pendant que Pierre parlait. While Peter was speaking. Le Saint-Esprit redit la même chose. The Holy Spirit said the same thing. Actes des Apôtres au chapitre 2. Acts chapter 2. Lisons un tout petit peu, on va arrêter. Let us read a bit. Actes des Apôtres, chapitre 2. Acts chapter 2. Commençons alors, chapitre 3 plutôt. Chapter 3. Il dit ceci. It says. À partir du verset 19. From verse 19. Il nous a dit ceci. It says. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out. Afin, écoutez, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. When the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Il a parlé des ruisseaux dans les déserts. He spoke of the stream in the desert. Il a parlé de ces rafraîchissements. He spoke of this refreshment. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. And when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord,
And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you. Maintenant, écoutez. Quel est celle doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses? Whom the heaven must receive until the time of restitution of all things. Bien-aimés frères, beloved brothers, si vous dites que ça concernait Jean-Baptiste, if you say that this concerned John the Baptist, l'apôtre Pierre dit ceci, the apostle Peter said, que Christ qui est monté, that Christ who went up, doit rester au ciel, must remain in heaven, jusqu'à ce que les choses soient rétablies dans leur position originelle. Until the thing is reestablished in its original position. Christ était monté seulement depuis 50 jours. Christ went up for only 50 days. Et ces jours-là, les jours de la Pentecôte, and on the day of Pentecost, étaient les jours de la naissance de l'Église. It was the day of the birth of the church. L'Église dont nous parlons maintenant, qui est l'Épouse de Christ, the church that we are speaking of now, venait de sortir du ventre de la maman. Coming out of the womb. Et l'apôtre Pierre dit, and the apostle Peter said, Christ restera au ciel, Christ will remain in heaven, jusqu'à ce que toutes choses soient rétablies dans sa position originelle. Until all things are reestablished in its original. Mais les choses venaient seulement de commencer. But the thing had only just started. Si vous connaissez l'histoire de l'Église, if you know the story of the church, tout ce qui a été fait a été attaqué par le diable durant ces 2000 ans. All that was done was attacked by the devil throughout these 2000 years. La doctrine des apôtres a été abandonnée. There are doctrines of the apostles that were abandoned. Les traditions des hommes ont été introduites. The traditions of men were introduced. On adore maintenant l'homme que Dieu. They even adore man as God. Alors avant le retour du Seigneur, but before the return of the Lord, il doit retrouver une église. They must find a church. Son propre corps. His own body. Qui est la même constitution que lui. Who is the same constitution as he is. C'est de là où on parle de rétablissement de toutes choses. This is where we speak of the restitution of all things. Donc Dieu parlait comme par exemple quand Moïse parlait à ses frères. As for example, when Moses spoke to his brothers, il leur annonçait à l'avance que quand vous serez rentrés dans la terre promise, that when you will enter into the promised vous land, allez abandonner Dieu. You will abandon God. Vous allez faire ceci. You will do this. Dieu savait cela. God knew this. La même chose nous est annoncée ici. The same thing is announced to us. L'Église allait s'éloigner de la parole originelle. The church went away from the original word. C'est pourquoi Jésus-Christ dit ceci dans Matthieu 17. That is why Jesus Christ said in Matthew 17. Il dit que Élie doit venir pour rétablir toutes choses avant que je vienne. He said, Elijah must first come and reestablish all things before I come. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit revenir et rétablir toutes choses. He said, it is true that Elijah must return and reestablish. Toute la parole qui a été donnée au commencement, all the word that was given in, doit être ramenée avant le retour du Seigneur. It must be brought back before the return of the Lord. Mais maintenant, au verset 12, il ne parle pas de c'est Élie qui doit venir dans les jours, dans les derniers jours. But now in verse 12, he speaks that it's not just Elijah that is coming. Il reparle de Jean-Baptiste. He speaks of John the Baptist. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, les fils de l'homme doivent souffrir de leur part. Verse 12. Matthew 17. But I say unto you that Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of Man suffer of them. Même les disciples comprirent cela très bien. Alors les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist. Voyez-vous, bien-aimés? Do you see, beloved? Dans ces derniers jours, in these last days, Dieu a envoyé l'Esprit d'Élie. God sent the spirit of Elijah. Selon l'Esprit de vérité. According to the spirit of truth, pour nous ramener dans la vérité, to bring us back in the truth, afin de se préparer, to prepare ourselves, un peuple bien disposé, or to prepare a people that are well disposed. Et c'est pour ça que bien aimé, and that is why, beloved, qu'importe l'église à laquelle vous appartenez, no matter what church you belong to, si vous ne croyez pas que Dieu a envoyé l'Esprit d'Élie dans cet âge, if you do not believe that God sent the spirit of Elijah, vous serez comme de la chaume, you will be as the straw qui sera brûlé, that will be burned, et que le comme un méchant, as a wicked person, que les justes marcheront sur eux comme de la cendre, that the righteous shall walk upon as ashes. Et cela, c'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est écrit. And this is not I who said this. Car Jésus Christ a dit, for Jesus Christ, c'est lui qui vous reçoit, the one who receives me, me reçoit, receives you, et c'est lui qui me reçoit, and the one who receives, reçoit celui qui m'a envoyé, receives the one who sent. Vous prédicateurs, you preachers, qui que vous soyez,
whoever you are, si vous vous battez contre cela, if you fight against this, je vais ne relire un peu selon ce que, comment dire, Gamaliel l'a dit. Nous avons lu cela. Nous avons lu cela, il n'y a pas... comment dire, il y a quelques jours, où Gamaliel... où disait qu'on donnait des conseils, à ses collègues. We read this a few days ago when Gamaliel was giving counsel. Chapter 5, thank you. Il donnait aussi des conseils à ses frères au Sanhédrin. When he was giving the counsel to his brothers, the Sanhedrins. Et il dit ceci maintenant. Attends, où je fais ce gain à forêt de baisse. 34, thank you. Oui, c'est bon, c'est bon. Alors maintenant, Gamaliel a dit, mais je saute, je pars au 34, je vais, 38. Il dit, et maintenant je vous l'ai dit, c'est que vous ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Acte 5. 38. And now I say unto you, refrain from these men and let them alone. For if this counsel or this work be of men, it will come to naught. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. But if it be of God, ye cannot overthrow it. Ne courez pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. Lest happily ye be found even to fight against God. Voyez-vous, bien-aimé, do you see, beloved? Pour amener son église à la perfection, to bring his church to perfection, Dieu devait envoyer l'esprit de vérité sur la terre encore aujourd'hui. God needed to send his spirit of truth on the earth today. Et l'esprit de vérité vous ramène dans les Écritures. And the spirit of truth brings you into the scriptures. Prédicateurs. Preachers. Soyez prudents. Be prudent. Prédicateurs. Preachers. Écoutez les conseils de Dieu. Listen to God's counsel. Ne soyez pas comme les pharisiens. Do not be as the Pharisees. Ne soyez pas comme les Juifs dans, au temps du Seigneur ou des apôtres. Do not be as the Jews in the time of the Lord. Ne prenez pas les risques d'avoir combattu contre le plan de Dieu. Do not take the risk to fight against God's plan. Vous ne gagnerez pas. You will not win. Vous êtes déjà perdu. You have already lost. Vous êtes perdant, pardon. Or you are lost already. C'est cela que nous regardons. This is what we are looking at. L'esprit de vérité. The spirit of les truth. Le consolateur quand il viendra. When the Comforter shall come, il vous conduira dans toute la vérité. He will lead you into all the truth. Et les fondements de la parole, and the foundation of the word, et la vérité, and the truth. Il n'y a pas moyen d'aller ailleurs. There is no way to go elsewhere. De trouver dans ce que Dieu a dit. Than to find yourself in what God has said. Et c'est pour ça que bien aimé, that is why, beloved, nous voyons ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. We see what God is doing today. Non seulement, nous ne parlons pas des émotions, etc., etc. We are not speaking of emotions, etc. Nous parlons de la vie de Dieu. We are speaking of the life of God. Qui est manifesté dans la vie des êtres humains. Which is manifested in the life of human beings. Et cela, bien aimé, c'est une réalité. And this, beloved, is a reality. Et quand je regarde à cela, this, je dis la parole de Dieu est vraie. I say that the word of God is true. Je ne dis pas d'aller sauter à l'église. I do not tell you go and jump de the faire church, de donner des prophéties. And go and give prophecies. De donner de parler en langue. Go and speak in tongues. De chanter dans la chorale. Go and sing in même the choir, d'être un prédicateur. Even to be a preacher. Ces choses vont s'arrêter. These things will stop. Quand nous serons avec le Seigneur, but we will be with the Lord. Nous n'aurons pas besoin d'un autre prédicateur. We will not need another preacher. Personne n'enseignera son frère. No one will teach lui disant qu'on est Dieu. And say, non, frère, non. No, brother. Lui seul sera celui qui enseignera tout le monde. He alone will be the one. Il a dit que tout le monde me connaîtra. He said, everyone shall know. C'est pourquoi nous disons ceci. That is why we say, revenez à ce que Dieu dit. Lisez la Bible. Return back to what God said and read. Soyez comme l'eunuque éthiopien. Be as the Ethiopian dit, eunuch. Qui me conduit? Qui pourra? Comment pourrais-je le comprendre si quelqu'un ne me guide? Who will say who? How can I understand this if unless somebody guides me? Ne soyez pas votre propre guide. Do not be your own guide. Ne soyez pas sage à vos propres yeux. Do not be wise in your own eyes. L'esprit de vérité nous ramène dans les Écritures. Amen. The spirit of truth will lead us in the scriptures. Et les Écritures révèlent Jésus-Christ. And the scriptures reveal Jesus Christ. Et la connaissance de Jésus-Christ nous donne alors la perfection.
And the knowledge of Jesus Christ gives us perfection. Sinon, vous ne serez jamais sanctifié. Otherwise, you will never be sanctified. Observez même vous qui vivez, si vous n'avez pas la bonne doctrine. Observe it, even for you who are living. If vos you péchés sont right toujours collés à vous. Your sins are always vos mauvaises habitudes sont toujours collées à vous. And your bad habits are always bound to you. Nous voulons rendre grâce à Dieu. We want to give thanks to God. L'esprit de vérité. The spirit of truth. Qui nous conduit dans toute la vérité. Who leads us into all the truth. Nous allons prier. We will pray. Tiens-moi pas la main, mon Père. Tu es mon repos. You are my rest. Pour la vie, sois mon refuge. Surveille-moi d'en haut. Watch over me from high. Toi seul je veux suivre. You alone I long to follow. Oh, séjour divin. And in this divine day. Pour que jamais je m'égare. I may never go astray. Prends-moi par la main. Take me. Prends-moi par la main. Prends-moi par la main. Take me by the hand. Père, prends-moi par la main. Take me by the hand. Père, pour que jamais je ne m'égare. I will never go astray. Prends-moi par la oh, prends-moi par la main. Prends-moi par la main, mon Père, prends-moi par la main, mon Père, pour que jamais je m'égare, oh, prends-moi par la main. Prions, j'avais notre Let us pray, Travis. Notre Père, notre Dieu. Bénis son Père pour la grâce qu'il m'a accordée au Dieu. La présentation de ta parole a commencé ce soir, Père. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es celui qui couvre la paix dans le péché. Et tu es ce qui m'a regardé de rassurer ton chemin. Je remercie cet instant pour la vie de ton Dieu. Je te parle d'être sans lui. Tu restes dans ses problèmes. Thank you.
fugire, je renonce à mon péché. Cité, lorsque le soleil entre en dans le sein et entreront, lorsque le soleil entre en oh Dieu Seigneur, je veux être des saints nombreux. Lorsque le Saint entreront, je sais, je verrai mon Seigneur, si ma vie est libérée, le ciel ouvrira ses portes, lorsque le Saint entreront. Quand le Saint entrera, lorsque le Saint entrera, ô Jésus, nous êtes aussi les saints nombreux, lorsque le Saint entrera. Notre Père et notre Dieu, our Father and our God, nous te sommes reconnaissants, Seigneur. We are thankful to you, Lord. Tu sais personnellement pour comment je te dis merci pour cette journée, cette soirée. Well, personally, Lord, I want to say thank you to you for this day and this evening. Tu sais que ce que j'ai apporté ce soir de grâce n'était pas ce que moi j'avais pensé apporter. Well, you know that what has been brought this evening is not what I personally thought I would. Je laisse ce message être apporté comme toi tu l'as destiné, comme tu l'as voulu. And I need this message to be brought as you have destined for it to. Et je crois que c'est la nourriture autant convenable, Père. And I believe that this is the food for the convenient time. Laisse-nous de grâce marcher alors de grâce en grâce. Let us walk God of grace from grace to grace. Jusqu'à ce que nous voyons apparaître sur le nuage notre Seigneur. Until we see appear on the clouds our Lord. Seigneur, te demandons de nous donner des cœurs bien obéissants. Lord, we pray that you may grant us obedient hearts. Que nous donnes de manière bien correcte, Père. That you may grant us correct manners. Et non seulement cela, Père, mais tu m'as permis d'annoncer ce message du haut de cet endroit. And not only this, Father, but you permitted me to pronounce this message. Et je me rends compte que cela n'est pas destiné seulement au peuple qui est réuni ici avec moi. And I realize that this is not only transmitted to the people. Mais il y a certainement des gens qui ont d'autres croyances. But there are people who have other beliefs. Qui auront certainement entendu cela. Who have certainly heard this. Père, puisses-tu leur accorder la grâce de voir la vérité. Father, may you grant them the grace to see the truth. D'avoir un intérêt dans la recherche de la vérité. And to have an interest in seeking the truth. Et de courir vers celui qui ouvre les yeux pour voir la vérité. And to run toward the one who opens their eyes to see the truth. Je remets tout ton peuple entre tes mains, bien-aimé. I submit all your people into your hands. Et même peut-être, Père, je me suis peut-être mal exprimé. That maybe even Father, I expressed myself badly. Mais que les enfants de Dieu puissent comprendre que je n'ai parlé que comme il fallait parler. But that the children of God may understand that I spoke as I needed to speak. Qu'ils ne fassent pas attention aux erreurs ou à la personnalité du vase que tu as utilisé. That they do not pay attention to the errors of the personality of the vase. Mais qu'ils puissent aller tout droit vers la parole qui a été prêchée. But that they may go directly to the word that was preached. La femme cananéenne, the Canaanite woman, bien qu'elle a été comparée au chien, although she was compared to a dog, yes, elle a regardé de grâce à ce qu'elle espérait avoir. She looked to what she wanted to or hoped to have. Elle voulait la guérison de son enfant. She wanted the healing of her child. Bien aimé, c'est pourquoi oh Dieu, je t'en prie. Beloved Lord, this is why I'm praying to you. Comme j'ai dit, ces choses qui ont été prêchées ce soir, as I said to you, the things that were preached this evening, ne sont pas venues de moi, Seigneur. Did not come from me, Lord. Je ne les avais pas préparées de cette façon. I did not prepare it in this Alors way. Alors j'ai compris qu'il y a un auditoire. So I understood that there is a people. There are people pour lesquels tu as destiné cette parole pour être écoutée.
whom you destined for this word to be heard by. Accorde-le la grâce d'entendre cela. Grant them the grace to hear this. Et de passer par-dessus leur propre, comment dire, orgueil. And to go over their own pride. Ou leur propre, je ne vais pas dire des choses trop compliquées en anglais, ou dépasser les barrières de leur propre estime. Or to go over the barrier of their own personal esteem. Et de pouvoir voir ce que Dieu voulait leur dire. And to see what God wanted to tell them. Nous sommes des humains, nous pouvons faire des erreurs de la façon dont nous parlons. We are humans and we can make errors in the way that we speak. Mais toi, tu connais le cœur, Père. But you know the hearts. Fait que les gens reçoivent vraiment la parole qu'ils ont entendue. Cause that the people may truly receive the word that they've heard. Oui, Père, nous attendons le retour du Seigneur. Yes, Father, we are waiting for the return of the Lord. L'Esprit de Dieu. The Spirit of God. L'Esprit de vérité. The Spirit of truth. Annonce l'Évangile de vérité. Announces the gospel of truth. Au peuple, aux enfants de Dieu qui aiment la vérité. To the people, the children of God who love the truth. Ceux qui aiment Dieu. Those who love God. Et qui veulent voir la gloire de Dieu être remplir toute la terre. And who want to see the glory of God fill all the earth. Bénis ainsi tout un chacun, Père. Bless each one, Father. Et sois avec nous. And be with us. Durant le reste du temps de notre pèlerinage. Throughout the remaining of our pilgrimage. Jusqu'à ce que nous puissions passer de la foi à la vue. Until we may go from faith to seeing. Que chacun soit trouvé fidèle. May each one be found faithful. Dans ce qu'il fait. In what he's doing. Et dans ce qu'il croit. And in what he believes. Nous t'avons recommandé ainsi toutes choses, Père. We have submitted all things to you, Father. Et te remercions pour nous avoir réunis encore ce soir. And thanking you for having joined us together this alors evening. Que nous avons prié ainsi dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. As we have prayed in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Nous avons débordé un peu. We have gone over a bit. Que Dieu vous garde, il y avait une raison à cela. May God keep you, there was a reason for this. Nous retrouverons alors samedi pour la réunion de prière. We will find ourselves on Saturday for the prayer meeting. Et dimanche pour la suite. And then Sunday for the following week. Ça, c'est la suite du programme juste pour cette semaine. This is the following of the program just donc, for this week. Donc, samedi à midi. So, Saturday at 12. Et dimanche à partir de 10h du matin. And Sunday from 10 o'clock in the morning. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Nous vous saluons vous qui êtes avec nous en ligne. We greet you who are with us online. Et à la prochaine. And we'll see you next time. Amen.